Aujourd'hui, on parle de mon hirondelle préférée, l'hirondelle à front blanc. L'hirondelle à front blanc, c'est une hirondelle qui ressemble un peu à notre hirondelle bicolore, en ce sens qu'elle est bleue sur le dos, un bleu métallique, mais plus foncé. Le visage est plutôt couleur rousse. Sur le bas du dos, l'hirondelle à front blanc a le croupion est d'une couleur cannelle beige. Alors, ça lui donne un look un peu différent. Elle n'a pas la longue queue fourchue de l'hirondelle rustique. C'est une hirondelle qui va, par contre, construire, comme l'hirondelle rustique, des nids en vase. Donc, elle va se servir de petites boulettes de vase qu'elle va prendre dans sa bouche. Elle va mélanger ça avec sa salive, qui est une protéine très collante, et va former une structure d'un nid qui va ressembler un peu à une urne virée sur le côté. Alors, ici, j'en ai un fait en poterie. Et c'est d'ailleurs un moyen pour aider les hirondelles, pour, si on veut, les convaincre à s'installer à un endroit. Une hirondelle à front blanc va venir du nord de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, où elle a passé l'hiver, va arriver en Acadie, et là, va se mettre à construire un nid comme ça. Ça va lui prendre environ 900 à 1200 petites briques de vase qu'elle va rouler dans sa gorge comme ça, va transporter ça et va venir construire son nid avec. Et à chaque année, elle doit reconstruire un nouveau nid. Ce qui est intéressant, c'est que une façon de les aider, c'est en faisant des structures sur le bord des granges ou sur le bord des bâtiments où il y a de la protection contre la pluie par-dessus l'endroit où on veut qu'elle niche. Et en ayant des nids comme ça en poterie, on peut les stimuler, peut-être pas à nicher dedans, mais à s'agripper, à construire dessus. Parce que l'hirondelle à front blanc, c'est une hirondelle qui est coloniale. Elle aime, comme l'hirondelle de rivage, être en colonie. Il y a des avantages à ça. Ils vont être plus nombreuses pour se défendre contre les prédateurs. Si un faucon émérillon ou un épervier vient à la colonie, eh bien, l'ensemble des oiseaux vont être capables de faire fuir l'intrus. Il va y avoir aussi un échange d'informations. Une hirondelle qui n'a pas réussi à manger beaucoup dans une journée et elle voit son voisin arriver avec l'estomac bien plein, elle voit que l'hirondelle a retrouvé beaucoup de nourriture. Le lendemain, elle va suivre cette hirondelle-là pour aller voir où est-ce qu'elle a trouvé cette nourriture-là. Alors, il y a un échange d'informations qui va être à l'avantage de l'animal qui va nicher comme ça en colonie. On va souvent voir les quatre espèces se joindre. Eh bien, l'hirondelle à front blanc va souvent être celle-là qui va attraper les insectes plus haut. Elle va d'ailleurs être une spécialiste des insectes qui se font prendre dans des thermales. Vous savez, c'est les rayons du soleil, ça va chauffer la terre, il va y avoir une espèce de masse d'air qui va se mettre à monter, une masse d'air chaud, et à l'intérieur, il va y avoir des insectes. Et les hirondelles à front blanc sont des spécialistes à monter très haut, plus haut que les autres hirondelles, pour aller se nourrir. Malheureusement, les pratiques agricoles ont changé. On a de moins en moins de granges ouvertes comme ça. Et évidemment, sur les maisons, en général, les gens vont avoir tendance à vouloir enlever les nids d'hirondelles qui sont faits en vase. Et c'est complètement illégal. Étant des oiseaux protégés par les lois sur les espèces migratrices, eh bien, ces oiseaux-là, quand ils commencent à construire un nid, on doit les laisser finir la construction du nid. Et ça ne dure pas beaucoup de temps. Les jeunes vont être incubés pendant environ 10 à 19 jours et ensuite vont être nourris pendant une vingtaine de jours. Et par la suite, bien, c'est fini. Et là, à ce moment-là, on peut enlever le nid. Mais beaucoup de travail pour la construction de ces nids-là. La grosse raison du déclin de ces oiseaux-là, c'est le manque de nourriture, le manque d'insectes et aussi l'habitat qui disparaît de plus en plus. Il y a de la science qui se fait sur les hirondelles. Il y a beaucoup de recherches dans les dernières années. Et ici, il y a des hirondelles qui ont été attrapées. On les a munies de géolocateurs, de ces hirondelles à front blanc-là, et on a suivi leur trajet migratoire. Ça les a amenées à partir de l'Acadie jusqu'au Chili. Restez avec nous, ne manquez pas notre dernière vidéo éducative sur les hirondelles et ce sera sur l'hirondelle rustique.